Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage d'Halloween. Il s'agira d'un chat. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ce maquillage uniquement pour Halloween. Si vous avez une soirée déguisée ou un anniversaire, c'est tout à fait possible et vous allez le voir, c'est super simple. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais venir appliquer un fard de transition dans mon creux de paupière. Donc je viens mettre un petit bout de scotch avant pour éviter d'aller au niveau du coin externe en fait. Donc ici j'applique un fard marron légèrement orangé que j'applique bien sûr avec un pinceau estompeur au niveau du creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens prélever un petit peu de fard à paupières noir et je viens tracer mon creux fin tout simplement en faisant un effet cut crease vraiment pour bien marquer. Et ensuite je viens légèrement flouter le fard vers le haut. Et ensuite, je viens tout simplement estomper et estomper. Alors, cette étape peut prendre un petit peu plus de temps, tout simplement parce que le fard à paupières noires, ça peut être un petit peu plus difficile à estomper. Mais voilà, je vous conseille de bien prendre le temps. Et puis, vous arrêtez dès que vous avez l'intensité que vous voulez. Vous venez rajouter un petit peu de noir s'il y a besoin, suivant l'intensité que vous voulez à ce niveau-là. Vous enlevez votre petit bout de scotch et je viens appliquer un fard de ma palette Kat Von D, qui est cette couleur rouge brique que je vous parle assez souvent, juste au-dessus. Et ensuite, sur la paupière mobile, j'applique un highlighter crème de chez BK, qui est un doré assez léger, un doré assez clair, très lumineux. Vous pouvez prendre n'importe quel fard à paupières doré, c'est vous qui voyez. Ensuite, avec un pinceau très précis pour l'eyeliner, je reviens définir un tout petit peu mon creux en rajoutant un petit peu de fard à paupières noir que je viens légèrement estomper. Ensuite, je viens appliquer un trait de liner. Alors là, vous faites comme vous voulez au niveau de la forme, etc. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus allongé pour faire un maquillage un petit peu plus excentrique. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, je viens prendre un fard à paupières marron chocolat que je vais appliquer assez grossièrement au niveau des rats de cils inférieurs. Et ensuite, avec un pinceau très précis, j'applique du fard à paupières noir que je vais légèrement faire déborder au niveau du coin interne pour donner cet aspect un petit peu plus félin au regard. Ensuite, je viens rajouter un petit peu d'highlighter de chez BK pour vraiment apporter ce point de lumière. Ensuite, je viens utiliser ce produit de chez Revlon. Je vous le présente assez souvent. Et cette fois-ci, je vais utiliser la partie eyeliner pailleté. Donc, je vais utiliser ces paillettes sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc, c'est dommage parce qu'on ne le voit pas très très bien à la caméra. Je l'applique dans le coin interne et je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai appliqué entre les deux traits, entre le trait d'eyeliner et le trait de fard à paupières noir. Ça va vraiment apporter beaucoup de lumière. Puis le côté paillette, ça peut être quelque chose d'assez original. Pour le mascara, alors vous pouvez mettre des faux cils, moi j'en avais pas. Donc je mets bien sûr ma base de chez Givenchy, la Perfecto, qui vraiment étoffe les cils et qui donne un très très bel effet. Donc ça, si vous voulez accentuer l'effet de votre mascara, je vous conseille de mettre ce genre de base. Et au niveau du mascara, je vais utiliser le dernier de chez Estée Lauder, je vous en ai déjà parlé. Il a une brosse qui a à la fois des picots et des poils, donc on peut vraiment avoir un effet hyper sympa au niveau des cils. Ensuite, je reprends mon highlighter et je viens l'appliquer sur l'arête du nez et sur le bout du nez. Et ensuite, c'est parti, on va venir tracer le nez. Alors je prends un pinceau eyeliner avec un eyeliner en crème et je viens tout simplement délimiter le nez. Alors il n'y a rien de compliqué, vous partez vraiment par rapport à vos narines, vous suivez vraiment le contour et puis ensuite vous formez un petit peu l'arrondi sur le bout du nez et vous venez redescendre tout simplement. Alors je vous conseille de mettre un petit peu de noir à l'intérieur des narines pour que ça fasse un petit peu plus joli et puis vous redescendez au niveau du centre des lèvres. Et vous allez tout simplement avoir votre petit museau. Et ensuite, je viens tout simplement remplir simplement les lèvres du haut
pour vraiment créer cette imitation félin. Alors vous mettez de l'eyeliner noir, ça fonctionne très très bien. Alors moi j'ai légèrement dépassé pour faire vraiment une lèvre supérieure un petit peu plus épaisse. Et pour la lèvre du bas, j'ai tout simplement pris un rouge à lèvres liquide mat ici de chez Sephora, qui est une teinte assez naturelle, légèrement marronnée. Et ensuite avec un eyeliner, je suis venue simplement faire des petits points. Et ensuite, je vais tout simplement venir tracer mes moustaches. Alors allez-y d'un coup précis. Voilà, n'essayez pas de faire quelque chose de très très net. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Et voilà, ça fait tout son petit effet. Et bien voilà pour le résultat de ce maquillage. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Voilà, moi je trouve que c'est quand même assez sympa et c'est très très simple à faire, que ce soit sur les adultes ou les enfants. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !